Allez. Là, on va mettre les chaussons parce qu'il caille avec le petit vent d'est. Encore, mais ça va vite descendre et ça va bien se caler, je pense. Celle-là elle est grave. Bonjour messieurs, comment il va, la forme? Sinon... Imagine, vous savez pas où dormir. Non, bah là, comme d'habitude, c'est vrai que... Heureusement qu'il y en a qui sont organisés. Heureusement qu'on est là, les gars. Ouais. Ah non, je m'en pense ce soir. C'est bon, t'as un endroit où dormir. Yes, je suis trop content. Ta joie et... Heureusement que vous êtes là. Là on est bien. Il y a deux gros lits là. Oh royal. Ouais, alors... On va aller voir le cuistot. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Kylian. Comment va l'avancée de... Écoute, les lardons vont très bien. Parfait. Ils sont en bonne saison. Là on a très galéré là. Comment il va le man? Très bien. Ça pique là. Hein. Waouh. Bien. Il fait trop froid là. Et Tom qui a oublié sa 4-3 dans l'appart. Et les gars ils dorment depuis il a pas pu la récupérer. 3-2 en plein hiver. 3-2 en novembre.
Ouais, ça passe, je suis sûr, mais tu vas te les cailler un peu. Le matin, mec, voilà. Ça souffle. Oh, c'est le bouge. Oh, je l'ai eu. Ouais. Regarde celle-là. Celle-là, elle est vraiment grave. Oh, mais mec. Gros, ça me donne envie de retourner dans l'eau. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Là, qu'est-ce qui se passe? En fait, là, on va aller surfer. On va essayer d'aller surfer en tout cas. Les vagues, elles sont un peu nulles, mais on a de l'espoir. Parce que il faut avoir de l'espoir. Je précise un petit truc que. D'ailleurs, les plans drone que vous verrez dans la vidéo de Kylian. Et que vous verrez dès le moment, le pilote. Il y aura aucun plan drone, mec. Tu vas jamais les faire comme à chaque fois. Les quatre, ils vont à l'eau. Il y en a qu'un seul qui fait ça proprement et qui s'échauffe. Voilà, exactement. Eux, ils vont se faire un claquage en 10 secondes. Allez, à tout à l'heure. On a checké un peu partout cet après, mais en vrai ça marchait pas trop. Du coup on a attendu que ça monte, et là ça commence à se caler, il commence à y avoir un peu de monde sur le spot. On est sur ce gore là, ça devrait être fun. Petit short break, il y a un petit 1m20, 1m50 peut-être. Je sais pas trop, là ça va grossir je pense dès que ça va monter. Donc bon, on a encore 2-3 heures avant que le soleil se couche, donc ça devrait être cool. On va faire de la concu. On va aller faire de la concu. Abonnez-vous. La caméra elle est plus grande. C'est 4-3. Non, c'est la même. Bon, du coup, on est avec les copains, petite session sunset. Là, les vagues, la marée elle est bien montée le temps qu'on se change. Ça a commencé à vraiment se caler grave. Au moins de se gaver, je pense. On n'avait pas, vu le beau temps depuis 2 mois, les tempêtes. Monter quoi, on aurait pu être clairement plus deep pour me freiner et je pensais même pas passer le take-off en fait. Bon, putain, c'est dommage à la GoPro, ça rend pas bien les bonnes couleurs, mais vraiment le petit sunset il est incroyable. Ça fait longtemps qu'on a vu un petit sunset en plus, donc ça fait plaisir. C'est tout rose derrière avec le copain, c'est si naze à la GoPro, c'est fou. C'est fou mec, on voit pas. Thank you.
coup, ce petit truc, il va peut-être falloir qu'on sorte là, parce qu'on commence à plus voir les 7 arriver. Bon, il y a quand même pas minuit. Je voyais rien sur la vague, j'ai été déstabilisé.